Shiny dans les locaux de Studio 16. On est là pour apprendre un petit pas de danse en une minute. Donc là aujourd'hui on est toujours dans les années 90. Comme vous le savez, j'adore tout ce qui est old school et quand j'adore aussi quand ça groove. Donc aujourd'hui on va faire le Bart Simpson que tout le monde connaît, que tout le monde fait en soirée. C'est un step que vous allez tout de suite reconnaître. C'est parti. Donc premièrement, donc je vous montre déjà le move. Le move c'est juste et 1, et 2, et 3, et 4, ok? On va le décomposer, on y va. Donc ça va faire juste les jambes, on va faire 1, on tourne, je reviens de face, et je lève les bras, ok? Encore, 7 et, donc là on fait que les jambes, 7 hein, et boum, et clac, et boum, et clac, et tu tournes bien, 7 et, tu tournes, tu reviens de face, tu tournes, tu reviens de face, ok? Maintenant, juste les bras, ça va donner... Et à gauche, je lève. 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 Maintenant, on va allier le bas et le haut ensemble. 7, doucement, vitesse 1. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Ok ? C'est parti, en musique, ensemble. 6, 7. Hey. Oh, la musique m'a lâché. Bon, forcément, avant de faire ce genre de step, tu groove un petit peu. Ok, vous connaissez un peu hein, le petit rock. Ça, ça va être le prochain step plus tard. On se met dedans. Ok, attention. Et 5. 6, 7, et... Hey! Du flow, ladies! Hey! Ok! Bravo à toutes! Merci et à tous, pardon, je vais stopper le son. J'espère que ça vous a plu. C'était le pas de danse qui s'appelle Bart Simpson, à reproduire en soirée, dans des endroits qui groovent. À vous de vous entraîner, je compte sur vous pour le faire à la maison. No limits, ok? À bientôt!